Salut les soldats, aujourd'hui focus sur la nouvelle paire de CR7, la nouvelle Mercurial National Treasure. Une vraie pépite, on va voir ça ensemble. Mais avant toute chose, soldat, oh, tu regardes les épisodes et tu t'abonnes pas, et tu likes pas, et tu commentes pas. Quand même, un minimum, ok? Donc donne un peu de support et on enchaîne. Allez, c'est parti. Ok les soldats, c'est parti. Déjà, première remarque, pour ceux qui connaissent Nike, quand la boîte est grise comme ça, c'est que c'est un modèle élite, un modèle haut de gamme. Les moyennes gammes et entrées de gamme, c'est-à-dire l'académie, la club ou la pro, c'est comme ça. La boîte orange. Vous voyez la boîte orange classique, ok? Donc, on va ouvrir. Comment ça se passe? Bon, j'ouvre avec vous. Ok, le premier, ça classique, hein, le petit sachet à l'intérieur, Nike. Voilà, ça y a rien de splendide. Mais là, j'arrive. Regardez-moi ça, les soldats. Regardez-moi ça. C'est pas incroyable. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis tout excité de voir cette paire. Et c'est potentiellement la paire avec laquelle CR7 va soulever une Coupe du Monde. Ha ! Qui sait ? On sait pas. Bon, là, vous le savez. Vous avez remarqué, c'est une Vapor, donc une paire basse. Là, c'est une Superfly avec la chaussette. Et CR7, tout comme Mbappé, porte de la Superfly, donc avec la chaussette. Mais là, pour l'instant, on n'a que la Vapor, parce que Nike dorme. Qu'est-ce que je te dise? Nous, on ne dort pas. Dès qu'on a, on envoie direct. Donc, voilà la paire. Et bien évidemment, qui dit modèle haut de gamme, dit shoe bag. Eh oui, papa! Le joli shoe bag avec le CR7, voilà. Et cette typologie-là, qui y a de partout, un peu sur la paire, que tu vois un peu en détail, là, sur les b-rolls qu'on a pu te faire. Tu vois tous ces petits détails? Eh bien, ça, c'est typique portugais, ok? Ça vient tout droit du Portugal. Ils appellent ça les azulejos, si je te dis pas de bêtises. Parce que c'est avec un J, et j'ai envie de te dire azulejos. Mais on n'est pas en Espagne, on n'a pas la Jota. Le J, c'est comme Joao Félix et pas Joao Félix. Ok? Voilà, on respecte les Portugais. Vous me dites les Portugais si je le dis bien en commentaire. Donc, en fait, c'est un type de faïence qui est hyper répandu, hyper réputé au Portugal, qui sont beaucoup présents sur certains bâtiments typiques portugais. Et c'est considéré comme un trésor national. Donc, derrière, ben voilà, les mecs, ils ont dit trésor national, les azulejos, CR7. C'est aussi un trésor national, eh bien, on va mixer les deux pour cette dernière Coupe du Monde, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit la dernière Coupe du Monde de CR7, dès que pour cette dernière Coupe du Monde, tout s'unisse en beauté. Mais bon, soldat, tout ça là, c'est du storytelling, c'est une histoire, on te raconte une histoire. C'est voilà, c'est le truc, Portugal, voilà, faïence, ok, on associe, ça fait une petite belle histoire, comme ça a été le cas avec la Mbappé qui est juste là, ou la Bondi Mbappé aussi, ça là, je sais que vous la kiffez énormément. Eh bien là, c'est le même principe, mais on va plus s'attarder sur les technologies de la paire. Qu'est-ce que ça apporte? Et si tu es un habitué de la chaîne, tu es censé te souvenir de ça. Le Air Zoom, ça, c'est une révolution. Alors, c'était déjà présent dans les paires au début des années 2000, sur les Total 90, ça a été présent. Okay? Sauf qu'ils ont mis du Air Zoom de partout. Mais c'est quoi le Air Zoom, soldat? Alors déjà, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, c'est que déjà, tu es en retard. Mais c'est pas grave, du coup, t'inquiète, rattrapage, on t'explique tout. En fait, c'est de l'air pressurisé. Tu connais le principe de la Air Max avec les bulles d'air à l'intérieur? Et bien là, c'est pareil. Il y a des fils monotransparents et de l'air pressurisé qui permet, tu vois, je sais pas si tu le vois, mais j'arrive facilement à appuyer. Alors que là, impossible. Là, j'appuie pas. Tu comprends? Tu captes ou pas le coup? Après, je t'explique. Oh, la référence des années 90, même plus tard. Elikaku, ouais, c'est ça. Ça date. Oh là là, je ne suis plus tout jeune. Ok, soldat. Donc du coup, la technologie Air Zoom va te permettre d'avoir vraiment un confort en plus sur le terrain. Donc si tu vas avoir tendance à jouer sur une pelouse un peu dure ou un synthétique un peu ras, eh bien, le Air Zoom va faire le taf parce qu'il va t'apporter du confort supplémentaire. Et la deuxième technologie que je surkiffe, sur laquelle aussi on a déjà fait une vidéo, c'est le Vaporposite Plus. Toujours pareil, les soldats. Sur la tige, d'accord, il y a cette technologie qui te permet d'avoir cette adhérence incroyable. Ok, là, toi, tu peux pas le sentir parce que tu peux pas la toucher, mais moi, je le sens. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vois, mon doigt, il fait pas... Il glisse pas. Voilà. Et bien là, c'est le pareil. Et en plus, ça s'est couplé à la technologie ACC, All Condition Control. Et donc, ce qui te permet de jouer sous tout type de température, tout type de conditions. Franchement, cette paire, moi, je la trouve super belle. Elle est à la fois
classe, sobre, avec ce côté très blanc, très pur. Et il y a le bleu, le côté or, un peu, ouais, le or cuivre qui vient mettre un peu d'assaisonnement. Donc franchement, je kiffe. Moi, la paire, je suis fan. Et la particularité, regarde bien, soldat, c'est que c'est une AG, semelle AG. Donc, semelle synthétique pour les terrains synthétiques. Mais t'inquiète pas, on va avoir de la Vapor, de la Superfly, de la AG, de la FEG et de la SEG. Ok? Et si là, encore une fois, t'es en train de me dire, mais c'est quoi? De quoi il parle? AG, FG, ABCD? C'est quoi tout ça? C'est que t'as encore loupé l'épisode sur les plaques. Ok? Et là, par contre, je t'invite à aller directement le voir parce que je vais pas pouvoir tout expliquer. Mon soldat, cette pépite, vous le savez. Ok? Tu le sais. Proche que vous vois. On se tutoie, c'est la famille. Ok? Tu le savais. Cette paire, elle est totalement disponible sur www.foot.fr, sur notre site internet. Ok? Avec le shoebag. Le shoebag est présent que dans les modèles haut de gamme et pas le modèle Academy ou Pro. Et en plus de ça, malgré le fait que ce soit une édition limitée, eh ben, y a une remise. Voilà. Tu prends ton code qui s'affiche à l'écran là. Soldat YouTube. Parce que t'as un soldat qui vient tout droit de YouTube. Ça fait plaisir. Ok? Tu prends ton code et tu vas voir que bizarrement, le prix, il baisse. C'est pas magnifique ça? Qui te permet de faire ça alors? Ça te dit d'avoir 10, 15, 20 euros en moins sur ton indice? Bah ouais, bien sûr, pourquoi pas, mais je dois faire quoi? Rien du tout. Tu mets le code, je te le donne, c'est gratuit. C'est pas beau? C'est beau. Voilà. Donc sur ce, moi je vais partir avec la boîte. Parce que je vais... En plus, c'est quelle pointure? 43. Incroyable. Incroyable, on va les jouer avec. Et sur ce, soldat, je te laisse te faire plaisir. Like cette vidéo, parce que ce que je t'ai demandé avant, parce que si tu le fais pas, je vais devoir venir chez toi et te voler tous tes crampons, etc. Donc ça va me déplaire. Ensuite, commente cette vidéo en me disant qu'est-ce que tu penses de cette paire. Un mot pour décrire cette paire. Moche, belle, extraordinaire. Si ! Tu me dis ce qui te passe par la tête. Et tu t'abonnes et t'actives la cloche pour me donner un maximum de support. Soldat, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et moi, je vais aller m'entraîner avec cette jolie paire. Peace. On est foot.fr, fournisseur officiel de football. Je pars par où? Allez, ciao!